Corinne Hermès, chanteur américain. Charles, 10 ans, c'est le jour anniversaire. Au long de ces 10 ans, à plusieurs reprises, vous êtes venu me faire l'hommage de votre présence. On a fait des fêtes ensemble. On est allé sur les bords de la Marne, vous vous en souvenez. On est dans des guinguettes chez Gégène. Chez Gégène. Avec Gréco encore là aujourd'hui avec nous. Vous savez que j'habite presque en face. Là, je sais bien. J'ai toujours habité sur les bords de la Marne. Autrefois, j'étais à la Varenne. Oui. Maintenant, je suis à Nogent. Et des endroits qui ont beaucoup inspiré les auteurs de chansons, vous en premier lieu. Charles, on va feuilleter au cours de cette soirée des moments importants de notre émission, importants pour moi et j'espère pour les téléspectateurs, et peut-être pour vous, un clin d'œil de 10 ans de Charles Trenet à la chance aux chansons. Regardez. Merci, Monsieur le Président, d'avoir épingler tant d'honneur sur mon cœur. C'est bien la première fois de ma vie que je suis épinglé ainsi. Merci. Je vous ai entendu tout à l'heure en décorant Charles Trenet parler de ses chansons, citer beaucoup de titres. Je vous ai vu rappeler des souvenirs à Cora Vauquer tout à l'heure. On connaissait beaucoup vos goûts en littérature, en architecture, en peinture, même en géographie, en botanique. Je ne savais pas que vous aviez écouté des chansons aussi. Écoutez, je me demande comment j'aurais fait pour ne pas les entendre. C'est la première question. On chantait au lycée d'Angoulême ? Comment aurais-je fait pour ne pas les entendre et comment aurais-je fait pour ne pas les aimer ? Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Retrouver chez moi. Oui, c'est bien, attention. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée. Un peu de rêve et le ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle ce sentiment d'amour que tout le monde en est dépris. C'est la romance de Paris. J'ai l'impression, mon cher Charles, qu'on est quand même un peu suivi. D'ailleurs, quand vous sortez, quand vous chantez, vous êtes suivi, tout le monde chante avec vous. Mais quand vous vous promenez aussi, à mon avis, il y a du monde qui nous poursuit là. J'ai peur à tout moment d'être arrêté. Ah oui ? Arrêtez de parler ou de chanter ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va nous arriver quelque chose. Pourquoi ? Il y a des gendarmes ? Oui, je crois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Reste à toi. Bonjour, bonjour, les hirondelles, y'a de la joie. Quand le ciel garde sur toi, y'a de la joie. Les yeux sont devant les bleus, y'a de la joie. Bravo! Charles, c'était le premier anniversaire. Oui, en 1920. En 1920. Non, 21. Il faut être très précis. Oui. Je ne pensais pas que, un peu grâce